Le roi Charles III sera couronné le samedi 6 mai 2023. Le prince Harry et Meghan Markle ont été invités. Des indices laisseraient présager leur présence à la cérémonie. Alors que tout le Royaume-Uni se prépare à célébrer le couronnement du roi Charles III, prévu pour le samedi 6 mai 2023, la venue du prince Harry et de Meghan Markle reste un mystère. En effet, le second fils du nouveau monarque n'a toujours pas confirmé sa présence à la cérémonie, alors qu'une invitation lui aurait été envoyée en Californie par e-mail. Pourtant, de nouveaux indices laisseraient présager qu'il pourrait bien se rendre à l'événement accompagné de sa femme. Dans un article publié le jeudi 9 mars, le Daily Mail a ainsi révélé que les noms des parents du prince Archie et de la princesse Lilibet figureraient sur les plans de table pour la réception après la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Harry et Meghan sont pris en compte dans toute la planification. Les voitures, les plans de siège, les arrangements pour le repas, tout a indiqué une source proche au tabloïd. Meghan Markle aurait peur d'être rejetée au couronnement. Dans un message posté sur Twitter, Rebecca English a affirmé que les nombreux indices montreraient la forte probabilité qu'il se rende au Royaume-Uni. Le personnel attend Harry et Meghan à Buckingham. Des sources disent qu'elles n'ont pas encore appris s'ils ont officiellement accepté l'invitation du roi, mais si est-il le signe le plus fort à ce jour, a-t-elle indiqué. Si le prince Harry aurait donc de fortes chances de rejoindre sa famille, avec laquelle il est en froid depuis plusieurs années, la présence de Meghan Markle n'est pas assurée. En effet, la duchesse de Sussex se sentirait mise à l'écart. Meghan a l'impression que le palais se bat uniquement pour que le prince Harry soit présent, et qu'il se moque qu'elle vienne ou non. Et cela ne lui convient pas. Le rejet est l'une des plus grandes insécurités de Meghan, avait d'ailleurs expliqué l'experte Kinsey Schofield dans le podcast Toddy for Daily. Sa présence, tout comme celle de son mari, pourrait être annoncée au dernier moment. Times through the rough times I